Attention, l'animateur que vous allez voir présente de graves symptômes de gros doigtitude. Il est sujet à de fréquents bullet time, procédé exclusif. Un exemple à ne pas suivre pour notre belle jeunesse. Ah. Salut les petits amis de No Life. Regardez, ça me va bien, non? Pas mal, j'étais en train de l'essayer justement. Regardez sur le bar le jeu qu'on va tester aujourd'hui. Call of Duty Modern Warfare 2. Et pourquoi Modern Warfare, me direz-vous? Eh bien parce qu'il va falloir faire la guerre avec un équipement moderne, comme mon casque, regardez ça. Vous savez, dans ce jeu, on a un équipement, un armement extrêmement perfectionné. Comme mon casque avec des antennes pour capter je ne sais pas quoi, une boussole pour pas se perdre et des lunettes pour aller à la piscine en fait avec son casque. Bon, c'est assez ridicule, je vous l'accorde, je vais le poser là, on n'en aura plus tellement besoin. Et on va tout de suite essayer ce grand jeu, parce que oui, c'est toujours des grands jeux les Call of Duty, hein, vous savez comment c'est. Alors, j'ai toujours un problème avec les Call of Duty, je n'aime pas l'idéologie que ça véhicule. Les gentils américains contre les méchants irakiens moustachus, les méchants russes, etc. L'espèce de lâcheté qui consiste à tirer sur des mecs, sur des russes alcooliques, bien sûr, les russes sont alcooliques, sur des gars dans des couchettes en train de dormir, sur des japonais qui se ruent sur vous en criant « Banzai », enfin, voilà, j'aime pas tout ça. Et les scénarios des Call of Duty me gênent, en général. Celui-là me plaît bien, pourquoi? Parce que ça se passe déjà beaucoup sur le territoire américain. C'est-à-dire, pour une fois, ce sont les Américains qui morflent. Alors, ça égalise un peu les scores. Du coup, j'aime bien. Regardez, je suis blessé. Ah, j'ai cru que j'étais mort dès la première seconde de ce chez Marcus. Et puis, ça change un peu. Puis, du coup, c'est assez exotique de se retrouver sur un territoire de guerre qui est le territoire des États-Unis d'Amérique. Regardez, leur petite maison. C'est là où ils font le barbecue d'habitude, c'est là où Homer Simpson fait griller ses saucisses. Bah regardez, c'est la guerre, ça se bombarde de partout, il y a des parachutistes qui descendent. Bah voilà, c'est quand même assez incroyable. Regardez la niche du chien! Il est mort, Rex, il est même plus là. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Donc on est dans le jardin d'une banlieue américaine de Virginie, avec, je crois que c'est les Russes qui envahissent. Et pas question de rigoler. Regardez, pourtant, il y a un trampoline. Alors je me dis, oh, je vais faire du trampoline, super. Mais non, il saute pourtant haut, mon soldat, mais il peut pas sauter sur le trampoline. C'est quand même un petit peu déçu. Donc voilà, donc on va faire la guerre à ces salauds de Russes, évidemment, c'est toujours des Russes, qui nous empoisonnent l'existence, hein, comme toujours. Sauf que cette fois, le scénario est assez malin, donc je lui pardonne certains écarts. Comme par exemple le fait qu'il y a quand même un niveau qui se passe dans un aéroport où on va vous demander de tuer des civils. Vraiment, hein, vous êtes censé être infiltré dans un gang de méchants russes. Et on va vous demander de tuer des civils. Donc, j'ai pas tellement envie de faire ça dans un jeu vidéo, moi, et ça m'a un peu gêné. Mais le truc super, c'est que c'est vraiment vital pour le scénario. Ce que vous allez faire dans cette mission-là, disons, détermine une grande partie du scénario qui est très malin et qui est bien foutu. Donc, finalement, je ne dirais plus rien de mal sur le scénario de ce Call of Duty Modern Warfare, à part que c'est dur à prononcer, ça m'a beaucoup plu. Et surtout le mode multijoueur, évidemment, parce que là, bah, de toute façon, il n'y a pas de scénario, c'est juste on se tire dessus. Regardez, le petit garage de la petite maison américaine, elle est à vendre, tiens, bah voilà, si ça vous intéresse, vous appelez le numéro qui s'affiche à l'écran, voilà. Ça a l'air un peu pourri quand même. Ici, le garage est dégueulasse, c'est pas très bien tenu. Moi, si j'étais l'agent immobilier, je ferais pas visiter. Mais regardez, bien sûr, on peut tout péter, les petits bidons de peinture, etc. Les environnements sont quasiment entièrement destructibles, à quelques rares exceptions près. Je vous ferai voir ça tout à l'heure, c'est assez rigolo. Donc voilà, là, ma petite patrouille s'est fait coincer par cette espèce de gros machin et on me demande de balancer des grenades fumigènes pour essayer de se protéger un peu, pour essayer de passer, de franchir ce barrage. Hop, une deuxième grenade fumigène. J'ai aperçu un méchant russe, on va essayer de le dégommer, voilà. Et là, faut que j'attende que mes grenades fumigènes fassent effet avant de ramener ma fraise au milieu de la rue. Sinon, c'est trop dangereux. Voilà, là, c'est bon. Oh là là, ça tombe bien, il venait de me jeter une grenade. Les deux derrière la voiture, là. Oh là là, je me suis fait écraser. Écraser par la grosse bagnole. Bullet time, c'est parti. Allez, on y retourne tout de suite. On n'attend pas, je profite de mon nuage de fumée, je dégomme les deux gugus et j'ai failli me refaire écraser une deuxième fois. Non mais c'est incroyable. Voilà, donc on fonce dans la fumée, on fonce dans l'allée. Regardez, le pauvre parachutiste n'a pas eu le temps de se décrocher de son truc. Tout de suite, je leur balance une grenade.
En fait, mon problème avec les grenades, c'est que j'aime bien voir l'effet que ça fait. Donc j'ai toujours tendance à rester à découvert pour voir comment les gars vont voler. Alors qu'évidemment, un soldat normal, lui... Regardez, j'achève des mecs à terre, hein, c'est quand même pas propre. Il y a aussi des moments où vous allez voir vos potes torturer à l'électricité l'ennemi pour lui faire avouer des trucs. Donc il y a quand même des trucs assez glauques hein, dans ce jeu. Mais encore une fois, le scénario est tellement bien foutu qu'on peut leur pardonner ces petits écarts. Contrairement aux fois d'avant où je trouvais que c'était vraiment de la mauvaise foi pure et dure. Et les Russes sont toujours méchants et au bout d'un moment c'est un peu saoulant quoi, que ce soit toujours les mêmes adversaires. Voilà, j'ai vu une grenade arriver, j'ai reculé prudemment. Regardez, il se planque un petit peu partout. Heureusement, moi j'ai des grenades. Hop, balancé sur ce taxi. On peut essayer de faire péter des voitures pour qu'ils soient pris dans l'explosion par exemple. Ça, c'est un truc qui marche bien. Voilà, vous avez vu, à gauche, la voiture a explosé. En plus, là, on est près d'une station-service. C'est pas le meilleur endroit pour balancer des grenades, mais c'est pas grave. Regardez, ils sont réfugiés dans la station-service. Hop, une petite grenade. Alors, je voudrais voir ce qui va se passer. Voilà, elle les a bien calmés. Alors, faut que je fasse gaffe à pas tirer sur mes potes. Hein. Le tir ami n'est pas conseillé. Alors que le tiramisu est conseillé, c'est un très bon dessert. Non, quelle bonne blague! Alors regardez, c'est super, je trouve, on se retrouve dans une station-service américaine. Alors je vous disais tout à l'heure, on peut tout péter, regardez. Je peux tirer sur les pastèques, hein. 5 fruits et légumes par jour, on s'en fout complètement. Je peux tirer sur les bouteilles d'eau, les bouteilles de coca, voilà, les cookies. Les cookies américains, merde, on fait tout péter dans le jeu, incroyable. Voilà, des petites sucreries, des glaces et tout. Et un truc qu'on peut pas péter, regardez bien. Ce sont les bières. Je sais pas pourquoi, la bière américaine est absolument indestructible. Je peux absolument rien faire. Je peux balancer une grenade dedans, même à la limite. Voilà, regardez bien. Tiens, elle vient vers moi. C'est pas une bonne idée. Voilà. Tout a pété, sauf les bières. Voilà, c'est une genre de petit détail qui me fait rire dans ces jeux. Bon, j'ai une mission à faire, alors, au lieu de folâtrer. Tiens, déjà, je vais récupérer des flingues, parce que j'ai juste mon petit flingue, là. De départ, je ne l'aime pas beaucoup, donc on peut récupérer, heureusement, des flingues sur l'adversaire. Dans ce jeu, il y a des tas et des tas et des tas de flingues. Évidemment, des trucs de sniper, évidemment, des gros bazookas, vraiment de tout. Du coup, ça fait des choses assez variées. J'ai pas du tout écouté les ordres. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, chef? Couvrez-moi, d'accord, bah, je vais couvrir le chef, voilà. Ouh la vache, là, il y a quand même un truc pas cool. Et il faudrait peut-être pas que je reste planqué derrière cette voiture, sinon ils vont me la bousiller. Ah voilà, faut que je suive le chef. La mission dans ce niveau-là, c'est d'aller récupérer un mec qui s'appelle Predator ou Raptor, je ne sais plus, pour lui sauver la peau. Voilà, vous voyez le lieu du crash, il s'est écrabouillé ici avec son... Voilà, on l'a emmené dans une chambre froide, il s'est écrasé avec son hélicoptère, et pour le protéger, on l'a mis dans une chambre froide. Au moins, il sera à l'abri. Seulement, je pense qu'il va falloir... le protéger mieux que ça. Donc là, j'ai entendu mon chef qui me disait « Monte sur le toit, il y a une tourelle automatique. » Vous avez vu que je m'appelais Ramirez. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on change de soldat quasiment dans chaque niveau. Du coup, on n'a pas le temps de s'y attacher tellement, quand on est de l'échelle. Mais en même temps, c'est très varié. Et c'est ça qui est vraiment super dans ce jeu d'ailleurs, parce que je vous dis, ça se passe aux États-Unis essentiellement. C'est pas vraiment vrai, même si vous verrez la Maison Blanche en flammes et des trucs assez incroyables. Mais il y a surtout d'autres niveaux très très variés. Alors regardez, je peux prendre cette tourelle et aller la mettre là où c'est le plus efficace. Par exemple, on va la mettre par ici là. Voilà. Une tourelle automatique, donc elle va dégommer les gars qui arrivent par le sud. Voilà. Et puis moi aussi, je sais pas où ils sont. Ah, on me dit si vous aviez un truc thermique, ça marcherait mieux. Bah voilà, tiens, justement, ça tombe bien. On veut bien m'en prêter un. Je vais prendre ce flingue. Et regardez, avec ça, l'ennemi apparaît. Voilà, en blanc. C'est un truc, quand je vous parlais d'armement moderne, c'est un truc qui permet de voir les gars quasiment dans le noir. Oh, lui en plus, il avait un lance-missile avec lui. Je vais peut-être m'accroupir un peu. Vous avez vu ma tourelle qui défend toute seule automatiquement? C'est pas beau la guerre moderne. On n'a plus grand chose à faire soi-même. Ouh là là, il y a quand même un peu du monde, je vais leur balancer des grenades, tiens. Donc j'y suis. Voilà. Donc en plus, c'est un fusil à lunettes, mon truc thermique. C'est pas mal, il y a des trucs holographiques, vraiment de tout. Oh, lui, il avait un sale truc. Ouh là là, on a des ennemis dans le périmètre. Je repasse avec mon gros flingue, regardez-les. Voilà, ils sont montés sur le toit, ils ont réussi à... Il y en a pas qui arriveraient par là, des fois. Je serais bien capable de tomber dans le trou, en plus. Ça, t'es quoi, toi? Moi, je suis le spécialiste du tiramisu. Du tiramisu, déjà. Je fais très bien le tiramisu à la mangue. C'est une curiosité, je vous en reparlerai un autre jour. Mais je suis très doué parce que je reconnais jamais les uniformes. Oh, bah, tiens, v'là du monde. Et du coup, je tire toujours sur mes potes. Donc, la moitié des missions... Regardez, il est pas mort. On va l'achever. Voilà. La moitié des missions se termine parce que je tire sur mes propres amis.
Voilà. Je suis quand même pas très doué pour ça. Ah, il faut que je défende ce périmètre. Alors, je vais utiliser mon truc, là. J'aime bien ce truc-là. Vous voyez, par exemple, quand ils sont... Oh là là, quand ils sont dans la fumée, c'est quand même très pratique. Oh là 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 là, là je fais n'importe quoi. En plus, ils sont quand même nombreux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai plus de munitions pour l'autre truc? C'est ça qui est en train de se passer. Oh la vache, là, il y a du monde. Bon, une grenade, tant pis. Oh la vache, ils sont super nombreux. Et moi, je suis tout seul sur le toit. Ils sont où, mes potes? Oh la vache. Ah ouais, j'ai plus de munitions pour ce truc-là, voilà. Bon, vite. Allons choper un autre. Allons choper rien du tout. Allons à la morgue, puis c'est tout. Voilà, j'ai été troublé. Donc, je vais me retrouver sur le toit. Les checkpoints sont pas super éloignés, donc tant mieux. Et on va me redonner un flingue. Voilà, j'en ai un peu marre du flingue thermique. Je vais prendre ça, tu vois. Alors ça, c'est carrément le truc de sniper, vous voyez. Ça permet de viser très très loin. J'aime pas trop. J'aime pas trop, donc je vais plutôt utiliser le flingue classique pour le moment. Ah oui, il aime bien. Ah oui, je voulais vous faire voir un truc quand même avec les lunettes thermiques. Donc je vais retourner les chercher. Voilà, les lunettes thermiques. Thermique la grenouille. La bonne blague. Voilà, regardez. Je viens de buter 3 mecs et regardez à la vitesse à laquelle ils refroidissent. Hop. Regardez. Tout de suite, il est froid, le gars. Voilà, il repart. Ça, je trouve ça assez rigolo. C'est vraiment... Ah bah oui, du coup, il faut quand même que je récupère mon flingue normal. Sinon, il va m'arriver la même mésaventure que tout à l'heure. Ennemi sur le toit. Où sont-ils? Ils sont là. Et avec mon truc thermique, c'est pas ça que je voulais. Je voulais échanger... Je me perds dans les flingues, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais. Et puis, normalement, ce genre de flingue, il y a une arme secondaire qui fait lance-grenade. Donc, il faudrait quand même que... En plus, je suis un peu con, parce que je sais que sur le toit... Allez, une grenade, peut-être, ce sera assez efficace. Je sens que je vais me mettre à couvert. Sur le toit, il y a des munitions, en plus. Donc, normalement, j'ai pas besoin de faire ce que je fais. Voilà, elles sont là, les munitions. Voilà, j'ai rechargé. Il reste encore un petit salopard, là-bas. Je l'ai vu, je l'ai vu. Oh, ils me balancent des grenades. Eux aussi, ils ont des grenades. Terminé. Ah, ça y est, point de contrôle atteint. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux y aller au couteau aussi, je vous ai pas fait voir depuis tout à l'heure, mais j'aurais pu y aller au couteau. Tous vos armes et vos munitions, ils vont revenir. Merde, bon, bah on est prêt. Attention, 2-1 Delta, 2 BTR arrivent par le nord. Merci. Ah, ça arrive par le nord. Bon, alors le nord, c'est où? C'est de ce côté-là. Je vais chercher ma tourelle. Où est-ce qu'elle est, ma tourelle? J'avais foutu là tout à l'heure. Voilà, ça va quand même m'aider. Dégagez du toit. Voilà, et on va mettre ça au nord. Dégagez du toit. Dégagez du toit. Ouh là là, c'est pas le moment. Vite. Ah, j'ai pas eu le temps. On nous a bombardé. Ne cédez pas à la colère. Vengez-vous. Signé Robert Fitzgerald Kennedy. Il y a des citations un peu douteuses des fois. Raptor est à l'abri et dans un état stable. Voilà. Vérifiez tous vos armes et vos munitions. Ils vont revenir. Attention, 2-1 Delta. 2 BTR arrivent par le nord. Bon, moi je m'en vais. Merci. Voilà, je voulais... je voulais tomber du toit. Non, parce qu'on a été bombardé sur le toit. Donc, je me barre. Et ils nous apprennent que, vous voyez, on nous a tiré dessus à distance. Juste, je vous fais voir le restaurant américain. C'est un super restaurant. Bonjour, une table pour deux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous reste? Ah bah, il y a de la place, vous voyez, c'est classe. C'est marrant, parce qu'on reconnaît vraiment des trucs américains, quoi. Enfin, des décors, des paysages qu'on voit quand on va aux États-Unis. Je trouve ça assez rigolo. Alors, faut que j'aille en face, mais vous voyez qu'il y a des espèces de saletés, de gros... Il y a des gros machins en face, pour le moment. Donc, si je traverse, je vais traverser très très prudemment. Et je vais voir surtout s'il n'y a pas moyen de trouver une arme un peu plus sympathique pour pouvoir faire face à ce genre de danger. Ouh là là, vite, cachons-nous. Allez, je vais traverser en courant. Un truc pas mal quand vous êtes en multijoueur, quand vous jouez en multijoueur, vraiment les parties sont super, il y a des tas de trucs à faire. Et vous, votre personnage progresse au fil des parties. Par exemple, vous pouvez courir très longtemps. C'est vous qui affectez en quelque sorte vos points d'expérience à ce que vous avez envie de faire. Donc par exemple, un des trucs c'est courir plus longtemps ou alors recharger plus vite. Donc résultat des courses, on se retrouve avec des personnages qui n'ont pas le même niveau. Vous allez vous retrouver contre des joueurs qui courent plus vite, qui rechargent plus vite, etc. Donc ça, c'est assez, ça peut être assez troublant. En général, j'ai remarqué que dans les parties en ligne, tiens, ça c'est mon pote, dans les parties en ligne, il équilibrait à peu près. On se retrouvait rarement contre des joueurs vraiment beaucoup plus forts que vous. Ce qui fait que même moi, j'arrivais à défendre à peu près mon honneur dans les parties en ligne, ce qui est absolument pas toujours mon cas. Vous savez que je suis pas extrêmement doué. Oh là, c'est quoi? C'est un pote, ça? C'est quoi? Non, non, c'est pas un pote du tout. J'ai vraiment un problème d'uniforme. Ah, et puis il en reste encore un. Heureusement que mes potes s'en sont occupés. Et là, il me semblerait...
Il me semblerait qu'il y ait quelqu'un. Oui, il était caché dans le... Il s'était caché. Mais je l'ai vu quand même. Voilà, est-ce que c'est sécurisé ce petit endroit? L'impression pas tout à fait, voilà. Parce qu'avant de vous faire voir des petits bijoux de technologie, il faut que je sois sûr que tout ça soit bien sécurisé. C'est pas le cas, mais qu'est-ce qu'ils foutent mes potes? Ils sont censés me protéger là. Voilà, ça c'est fait. Ramirez, prends le dispositif de contrôle du drone Predator. Ça y est, j'ai Predator, regardez bien. Alors ça c'est génial. C'est une sorte de télécommande pour tuer les gens. Une petite valise qui s'ouvre. Et regardez, il y a un blindé là. Alors hop, je vais viser le blindé avec un missile tombé du ciel, à l'américaine. On se mouille pas, on reste en haut et on bombarde. C'est pas mal. Ils adorent faire ça. Je crois qu'il y en a un deuxième, je vais essayer de me le faire. Voilà. Deuxième cible, voilà. Donc vous voyez, je dirige avec, avec ça. Voilà, normalement, on devrait s'en sortir. Regroupez-vous au restaurant. Ah, j'ai rendez-vous au restaurant, c'est sympa. Donc oui, je vous disais tout à l'heure, ça se passe beaucoup aux États-Unis, mais le gros intérêt, c'est que justement, ce n'est pas que les États-Unis, et c'est extrêmement varié. Vous allez retrouver, évidemment, en Afghanistan, évidemment, en Russie. Oh, ils ont pété le restaurant, dis donc. Mais aussi dans les favelas de Rio, par exemple. Donc c'est des niveaux totalement différents entre les favelas de Rio avec des petites maisons en tôle toutes pourries, ou alors, par exemple, dans les montagnes du Kazakhstan, où là, vous allez être dans la neige, vous pourrez même conduire un motoneige à un moment. Enfin, vraiment, c'est très, très varié. Il y a des trucs d'infiltration, il y a des trucs bien bourrins, des trucs où on utilise vraiment du matériel de folie, comme ce que je viens de vous faire voir là, et des moments où on est un peu plus, comment dire, on peut jouer moins finement, quoi. Voilà. Oh non, ils ont quand même pas... Le Burgerton. On peut pas les laisser faire, ils ont pris le Burgerton. On va reprendre le Burgerton, les gars. Vous êtes prêts? Alors ça, c'est mes potes, surtout, je fais bien gaffe. Voilà. Ah, ils m'ont... vous avez vu? Ils ont balancé une grenade flash, donc je suis assourdi. Vous entendez le bruit que ça fait? Ça, c'est pas mal, il y a aussi des grenades aveuglantes, évidemment. Bon, si mes potes, ils restent dans le chemin... Oh la vache, il y a quelqu'un là-bas, je vais jeter une grenade, tiens. Le sergent machin est parti tout seul, droit sur ma grenade. Oh là 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 là! Là, je suis désolé, mais mes potes me bloquent un peu le chemin. J'ose pas trop tirer. Voilà, c'est fait? Non, non, c'est pas fait. Il y a encore quelqu'un. Voilà! C'est confus, vous voyez. Je suis pas un très bon militaire. Je sais pas trop obéir aux ordres. Je me retrouve je ne sais où en train de faire je ne sais quoi. Ah bon, heureusement, vous voyez, le checkpoint était pas trop loin. Oh là là, mais j'en ai marre de mes camarades de classe là. Ils font n'importe quoi, à part se faire tuer, ils m'empêchent. Oh là là. Ils m'empêchent surtout de tirer sur ces salauds de terroristes. Où sont-ils? Voilà. Non, en plus, ils sont nombreux, les gars. Regardez, hop, là, j'y suis allé au couteau, carrément. Donc on peut aussi se faire d'infiltration un petit peu et y aller au couteau. Il y a un type dans la cuisine du Burgerton. Entre parenthèses, les cuisines, c'est pas super propre. Tiens, je vais aller voir les toilettes d'ailleurs. Est-ce qu'on peut voir les toilettes du Burgerton? Histoire de voir si c'est propre ou pas. Il me semble qu'il y a des toilettes dans ce truc. Et que justement, on n'a pas trop envie de les voir. C'est assez dégueu. Alors maintenant, ils vont évacuer. Voilà, ils l'ont sorti de la chambre froide. Ils vont l'évacuer. Il faut que j'aille le protéger. On verra les toilettes un autre jour, je suis désolé. Je vous dis qu'elles étaient dégueulasses, hein, vous pourrez aller voir. Je n'invente rien. Voilà, c'est lui, regardez, c'est lui qu'il faut. Au lieu de regarder lui, je préfère de regarder les mecs qui nous tirent dessus. Il y en a un à gauche, je crois bien. Il s'est mis, il s'est planqué là-dedans. Voilà. Ah, on m'appelle. Je m'appelle Ramirez, donc je suis, j'imagine, un gars un peu latino. J'ai pas vu ma tronche. Donc c'est bien de changer de soldat à chaque fois. Ah voilà, ils l'ont mis dans la chambre froide. Ça va, tout va bien. Ça va bien, sergent Follet. Axel Follet dans le flic de Berlin, Eddie Murphy. Donc c'est lui, Raptor. Pas du tout une tête de dinosaure pourtant. C'est lui qu'on doit protéger. Pour le moment, c'est un peu chaud. Et ils m'ont pas donné un ordre, genre monte sur le toit ou je sais pas quoi. La porte est fermée. Empêchez les Russes d'entrer. Oh là là, il faut que j'empêche les Russes d'entrer. Ah, mais j'ai toujours mon petit truc, tiens. Allez, on va utiliser ça, regardez. Parce que ça marche aussi sur des mecs, hein. On n'est pas obligé d'utiliser ça contre des blindés. Regardez, un gars tout seul, en train de faire pipi dans les fourrés. Boum! Vous êtes le maillon faible, au revoir. Il y en a d'autres. Allez, oh là là, ils sont pleins là-bas. Voilà, ça c'est tout de suite plus efficace. Je continue en fait, je sais pas pourquoi je m'emmerde. C'est tellement bien les trucs télécommandés. Voilà, ils sont là, près d'une voiture, ils croyaient qu'ils étaient à l'abri. Parfait, merci. Bon, c'est pas très courageux, hein, mais c'est efficace, c'est ce qui compte. Tiens, là, ils sont quelques-uns. Faire ça comme ça. J'aimerais bien vous montrer si j'arrive à la fin du niveau, on peut dégommer un hélicoptère avec une espèce de gros bazooka.
Et j'ai trouvé ça assez sympa. Tiens, je vais monter sur le toit. Qu'est-ce qui se passe? Il est invisuel, d'accord. Bon, très bien. Bon, là, on va cartonner un peu. Ils ont l'air assez nombreux, donc on va pas... On va pas faire dans la finesse, hein. Quand même me planquer, je vais leur remettre un petit coup de mon truc, là. Parce qu'on s'en lasse pas, finalement. Oh là là! Ils sont pleins! Voilà, ça c'est beau, ça. Voilà, allez, encore un petit coup. Ils sont à côté, voilà. Mal au cœur hein, de détruire cette petite ville américaine. En fait, ça m'amuse assez, je reconnais. Donc je me suis bien éclaté en multijoueur. Alors comme d'habitude, hein, je suis pas un tueur du tout, je me fais évidemment massacrer, mais j'ai vraiment l'impression qu'on me mène dans des parties avec des gens à peu près de mon niveau, que des mecs avec deux mains gauches et des moufles. Et du coup, j'arrive vraiment à m'amuser. Et il y a des trucs super, des modes démolition, des tas de trucs. Puis encore une fois, la progression du personnage est assez sympa, c'est valorisant. Non seulement on pouvait améliorer ses performances, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut courir plus vite et ce genre de trucs, mais on peut aussi améliorer l'armement, on pouvait mettre une lunette sur un fusil qui n'en avait pas au début, ou un silencieux, ou alors un lance-grenade, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est pas mal. Et puis on a aussi des emblèmes. Donc moi, comme emblème, j'ai pris pissenlit et suicidaire. Il y a plein de petits titres comme ça, assez rigolos. Donc voilà, je trouve ça vraiment très très bien foutu. Ça a toujours été très bien foutu, les Call of Duty. Hein. D'ailleurs, celui-là, il s'est vendu comme jamais. Ils ont battu tous les records, je crois, de vente de jeux vidéo au monde. C'est assez hallucinant. Et on comprend bien pourquoi, parce que c'est vrai que c'est super bien foutu. Encore une fois, moi, il y a juste le petit côté idéologique qui me gênait un petit peu. Il me gêne un peu moins dans celui-là. Parce que déjà les Américains morflent quand même pas mal, donc ça égalise les scores. Mais surtout non, parce que le scénario est malin, très très bien foutu vraiment. Et tout ce qui se passe est assez bien justifié. Et puis tout ça c'est de la fiction, donc faut pas non plus faire les chochottes. Voilà, on est là pour rigoler et tout ça. Mais je rigole quand même plus quand lui il a une sale arme, donc je vais m'en débarrasser, voilà. Je rigole quand même plus quand je suis en multijoueur avec des gens que je connais pas. Plutôt que quand je suis tout seul dans le scénario. Voilà. Bon, si j'arrivais à tenir jusqu'à un certain point, peut-être qu'on pourrait voir cette histoire d'hélicoptère dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai un peu peur de tomber du toit comme une merde, j'hésite encore. On va voir, qu'est-ce qu'ils font mes coéquipiers pour le moment? Voilà, je me fais bien tirer dessus, pour pas grand-chose. Peut-être en dégommer quelques-uns encore. Ah, j'ai l'impression que mes potes sont descendus, ça y est, bon allez, on va essayer de descendre. Ah non, mais toi t'es pas mon pote, ah voilà. Ah là là, bon, malheureusement on est un peu à court de temps, et alors je pourrais pas vous faire voir le coup de Jabba un hélicoptère d'une seule main, mais ça m'aurait fait tellement plaisir. Ce sera pour la prochaine fois, ou vous le ferez vous-même, en jouant à Call of Duty Modern Warfare 2, qui est vraiment très bien, il faut le reconnaître. Allez, à bientôt mes petits amis de No Life. Je remets mon casque, parce que quand on fait un costume, il faut savoir en profiter aussi. À bientôt, soyez sages. Rompez. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure ou quand vous voulez sur nolife-tv.com. Abonnement à partir de 3 euros par mois. L'intégralité des fonds collectés servira à réaliser d'autres belles émissions.